Allez, le beau coucher de soleil sur Adagio. Un petit peu de réconfort. On en a bavé aujourd'hui. Mais bon, voilà. Maintenant, c'est plus cool. Eh ben, bonne soirée! Bonsoir, bienvenue à bord d'Adagio. Bon, une journée un peu plus tranquille aujourd'hui où on a eu des bonnes conditions où ça a été quasi 25 nœuds toute la journée.
Et puis là, ce soir, c'est complètement tombé. On est en train de rentrer dans une, on appelle une dorsale. Là, le vent actuellement est au nord-ouest et demain, il sera au sud-ouest. Donc voilà, on va passer la nuit dans à peu près ces conditions-là. C'est tout mou. Voilà, ça commence à flapper. Donc au programme de ce soir, deux changements de voile. Un premier qu'on vient de faire, ce qu'on appelle le J1, parce que c'était un peu serré encore pour mettre le J0, qui est la voile un peu plus grande. Voilà, on ne ménage pas notre peine. J'essaie de faire avancer ce bateau. Voilà, et sur la carte, je vais vous montrer à quoi ça correspond. Voilà, donc là, vous avez à l'écran les routages. Et hop, on va faire une aile de mouette comme ça avec ce qu'on appelle ça la boucle anticyclonique. Enfin, la dorsale anticyclonique. Hop. Voilà. Alors, souvent, on me demande qu'est-ce qui me motive à partir dans les endroits si hostiles. Mais en fait, quand vous regardez ça, ça n'a pas l'air si hostile que ça. Hein. C'est juste qu'on est tout seul. Personne à l'horizon. On est en plein milieu de l'océan Indien. Le seul mammifère que j'ai vu tout à l'heure, c'est un globicéphale. Voilà, c'est beau. C'est simple, c'est beau. On a eu deux jours un peu difficiles. Hein, entre pas de vent, un front froid rattrapé, beaucoup de manœuvres et dans des conditions de mer vraiment dégueulasses. C'était vraiment pas facile. Un peu sur les genoux, du coup. Hier soir, heureusement que les conditions étaient plus clémentes aujourd'hui et j'ai pu me reposer. Parce que, à vrai dire, d'un coup, ça m'est arrivé, vieux coup de massue, là j'étais vraiment HS quoi. Enfin bon, heureusement, la météo est plus clémente pour ces prochains jours avant d'être un peu plus tonique d'ici fin de semaine. Voilà.